Super. Ça grouille de bandits et ils sont avec cette guerrière comme... Ces voyageurs sont prisonniers. Allez, finissons-en. Thank you.
sent le sol ramollir. Ce signal fera venir des renforts s'il le déclenche. Pas peur de la mort. On a de la compagnie. Accueille-la. J'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur de donner la mort. Très vite, on est foutu. Oubliez-moi.
vite. Ah, ils s'en vont. Vite, avant que je ne refroidisse. Vite, avant que je ne refroidisse. Avant que je ne refroidisse. Rost dit toujours patience. Oui. Il doit être loin maintenant. Oh. Ah. Gâche pas mon sang. Vite, avant que je ne refroidisse.
Mes bottes vont être humides. Je dois poser quelque chose. On n'aurait pas pu simplement discuter. Les Karja ne faisaient que parler. Parler et saigner. Parler et m'enchaîner. Mais toi, tu t'es battue comme une ténacte. Je t'aurais acceptée comme ma fille. On ne peut pas choisir son enfant. Les forts prennent aux plus faibles. Et par cet acte, ils deviennent plus forts. Ces histoires gravées sur ma peau. Regarde. Des enfants, des richesses, des vies, des terres. Tout ça était à moi. Bois mon... mon sang. Et il est vivant. Non, Ulia. J'ai déjà mon lot d'histoires. Des soldats. Le grand empire Karja doit être encore plus pauvre que ce que je pensais. Quel grand malheur. Enfin, c'est pas grave. Les chasseurs de primes meurent aussi. Bienvenue dans mon ravin mortel. T'es sérieux? Sadique, assassin, piégeur, entre autres choses. C'est pour ça qu'ils m'ont jeté dans ce trou puant. Oui. Oh, t'es une maligne. Fais attention, ne va pas ici. Simple curiosité. Ces mastodontes que j'ai appelés dans la prison ont réussi à tuer Jamie. J'ai bien peur que tu sois déçu. Oui. C'est pour ça que j'ai mes joujoux. Ils m'aident à oublier. Pas encore, petit acrobate. Oups là. Thank you.
Non, pas par là. Dans le ravin. Même pas encore en feu. Coriace à ce que je vois. Vas-y doucement. Attention à tes doigts. Tu m'as eu. Plus de pièges. Dis à Geneva que je serai bien sage maintenant. Est-ce que j'ai l'air si naïve que ça? Qu'est-ce que tu caches? Hein? Quoi? Ça? C'est juste un... Oups. Il est mort en vivant sa passion. Le service rendu à l'Hélium Carja en ces temps de conflit est apprécié. C'est la réponse officielle. La mienne? Je vois à ton visage que tu as déjà réglé le problème. Deux d'entre eux se sont fait tuer. La dernière était ravie de se battre à mort. Ils auraient trouvé la mort avec ou sans toi. Et ils en auraient tué d'autres. Oui, c'est ce que je me suis dit. Bravo. Je doute fort qu'on se revoie, alors... Va en paix. Des deux pour trouble à l'ordre public hier soir. La messa du couchant. Maintenant, il faut que je trouve un endroit haut perché, si j'en crois ce que dit Fernund. Alors ça,
Il y a vrai. Et c'est vide. Fille à la lance! Tiens donc. Tu l'as trouvé! L'endroit idéal pour une embuscade. Maintenant, donne-moi cette extraordinaire lance et on te laissera vivre. Tu as entendu parler de moi. Tu sais ce dont je suis capable. Comment tu peux espérer t'en sortir? Je tente ma chance. Sur elle! Pourquoi je m'embête? Tu peux pas m'échapper! Je vais t'avoir! C'était le dernier. Efernum d'affilée. Au quai de Méridian, je suppose. Texte pour former une armée avant de frapper à nouveau. J'en ai marre. Non. Ouvrez-moi! Ah, Fernound, c'est terminé. Assieds-toi. Si on en faisait un autre, je te laisse me couper le doigt, ou une main, ou mon bras gauche. Mais c'est ma dernière offre. C'est tentant, mais je veux que tu passes le message à tes amis malhonnêtes. Malance et moi, on n'appartient à personne. Oui, avec plaisir. Je dois leur dire quoi? Raconte-leur comment tu as failli y rester. Sois créatif, c'est ton talent. Ne m'oblige pas à revenir te parler. J'ai compris. Tu n'entendras plus jamais parler de nous. J'espère pour toi. On dirait qu'Elida a laissé quelques petites choses. Ça sert à voir de loin, non? Qui installe une longue vue dans son jardin? On dirait qu'elle faisait du jardinage. Quelque chose est enterré. Non, ça a été déterré. Il doit y avoir une piste. Pas dans la politique. Des pétales? Pourquoi elle cueillerait des fleurs dans son propre jardin? Tu as trouvé quelque chose dans le jardin? Pas vraiment, non. Je te tiens au courant. On a tous notre place dans l'ordre des choses.
Les pétales s'arrêtent ici, au bord de l'eau. Son père avait peut-être raison, à part pour l'endroit. Des cordes, pour attacher un bateau qui n'est plus là. Elle s'est peut-être rendue sur cette île en bateau. Je crois que je vais devoir nager. Le bateau, ça s'annonce bien. Changement de plan. Non, on n'avance pas, c'est dangereux. Te laisser comme ça. Es-tu? Où est-ce que tu as appris à te battre? Et qu'est-ce que tu fais ici? Et si tu commençais plutôt par répondre à mes questions? Pourquoi tu as apporté des fleurs? Comme ça? Pour que ça ait l'air d'un foyer, pour nous tous? Nous tous? Il y a quelqu'un d'autre? Non, non. Je voulais juste faire une petite surprise à mes amis. Il y a personne d'autre? Allons. Qu'est-ce que tu fais sur cette île? Je suis venue... pour être seule. Tu sais que ton père te croit morte? Oh, je suis étonnée qu'il ait remarqué mon absence. Il a envoyé tout le village à ta recherche. Il s'inquiète. Le carapateur m'a coincée. Tu t'en es occupée, je te remercie. Je vais me débrouiller. Rentrons au village, toutes les deux. Je dois finir de faire mon jardin. Je vais rester encore un peu. Ça ira, je te le promets. Tu sais, je crois que je vais rester un peu aussi. Pour explorer. Tu n'es pas obligée? Bien sûr que si. Des couchages. Il y en a deux. Et deux tasses. Elle n'était clairement pas seule ici.
Je crois qu'Elida a un ami. Elida, si tu es là pour être seule, pourquoi est-ce qu'il y a deux couchages? Et ne mens pas cette fois. Oh, par le soleil, je ne sais pas où il est. Qui? Atral. Il allume un signal quand je peux le rejoindre, mais il n'est pas là. Qui est Atral? Je le connais depuis l'enfance. Quand je m'occupais de mon jardin, il me glissait des vers dans le dos. Ça m'énervait. Mais ces derniers mois, on se retrouvait. Tout était différent. On parlait des heures. Il m'a aidée pour ce jardin. J'avais tellement hâte de le revoir. C'est comme... comme si j'étais morte et que je revivais avec lui. Tu comprends ça? Je... Non, pas vraiment. Pourquoi garder tout ça secret? Atral est soldat des Karja de l'ombre. À l'avant-poste, de l'autre côté du lac. C'est une trahison de se parler. Je ne peux rien dire à mon père. Personne ne doit le savoir. Alors pourquoi vous vous retrouvez ici? On y venait, enfant. Quand il est parti, je revenais là parfois. Un jour, je suis tombée sur lui. Il m'a fait un grand sourire. On a essayé de jouer comme avant, mais... la guerre l'a changé. Nous a changé. On n'est plus des enfants. On a commencé à se voir en secret. Il allumait un feu pour me dire qu'il pouvait quitter son poste à la citadelle, mais... hier soir... il n'est pas venu. Je n'ai pas bougé depuis, mais je n'ai vu personne d'autre que toi. Ça suffit. Tu dois rentrer. Pitié. Tu es venu jusqu'ici, tu peux chercher Atral. Il a allumé un feu sur une île près d'ici. Si je pars, il peut se faire tuer. On romprait le cessez-le-feu. Mais Nora, non. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Je suis désolée. J'essaierai de le trouver si tu rentres chez toi auprès de ton père. D'accord. Mais retrouve-moi là-bas. Je ne peux pas vivre sachant qu'Adral est peut-être blessé. Où est-ce qu'il reste du feu? On dirait qu'il y a eu une bagarre, et que quelqu'un a été emmené de force. C'est sûrement Atral. Marre de l'entendre crier. Je veux qu'il parle. Il y a pas mal de gardes. Je crois qu'il est combattu dans notre camp. Je dois trouver une autre entrée. Tu peux me croire, les traîtres sont partout. J'en suis pas si sûr. Mais si. Dès que ça se corse un peu, les gens baissent les bras. Ils veulent la facilité plutôt que la justice. Ça n'a pas l'air facile. Les coups comme ça. Et il parle toujours fort. Il a du cran, c'est pas lui.
Ils sont réveillés? J'ai pris un sale coup. Ça, y a personne. Reste attentif. Fais comme si t'étais un veilleur. Ces usurpateurs américains se trouveront bientôt le côté implantable. Nous leur montrerons. Désolé de casser l'ambiance. Thank you.
Il cherche encore. C'est toi, Atral ? Elida m'envoie. Elida, j'allais lui demander de fuir avec moi, de partir loin d'ici, quelque part, au soleil où aucune ombre ne pourrait nous atteindre. Mais on n'aurait jamais pu. Il m'aurait suivi. Je l'ai compris. Elida, dis-lui qu'il ne savait rien au sujet de notre île. Tout va bien. Donne-lui ça. Dis-lui que ça vaut la peine. Atral ? Oh, pauvre Atral. Et pauvre Elida. Oh ! C'est quoi cette bouteille ? Ça sent l'œuf pourri et la cendre. Du poison ? Je ferais mieux de la vider. C'est pas un boulot facile, ne dis rien. Mais au moins... Je sais qu'il est mort. Les Karjas de l'ombre l'ont trouvé. Mais sache qu'il ne t'a jamais trahi. Il voulait que je te donne cette clé. C'est la clé de notre cadenas. Il disait que nos vies étaient liées. Merci de me l'avoir donné. Pour tout ce que tu as fait. Il a dit que ça valait la peine.
pour tout. Ça va aller ? Non. Mais pas pour longtemps. Est-ce que ça veut dire ce que je crois ? Elida, non. Regarde-moi. Regarde-moi. Je peux pas imaginer ce que tu ressens. Mais tu n'as pas à traverser ça toute seule. Ton père était brisé quand il te croyait morte. Brisé ? Il me traite comme une poupée fragile, comme son trésor. Non. Sans Atral, je suis seule. Ça ne vaut pas la peine. Non, Elida. Je me suis trompée pour ce qu'a dit Atral. Il n'a pas dit ça en valait la peine, il a dit ça en vaut la peine. Pour tout. Le deuil peut être dévastateur. Mais il nous rappelle tous ces liens qu'on tisse. Avec Atral. Et même ton père. Atral aurait voulu que tu te souviennes de ça. Que tu continues. Je le sais. Tu veux bien ? Je... D'accord. Attends. Je vais aller chercher ton père. Tu veux bien lui parler ? Je veux bien. Les ennuis viennent toujours de ceux qu'on soupçonne de moi. J'aurais dû t'offrir quelque chose pour avoir retrouvé Elida. Il y a un problème ? Elida a besoin de toi. Écoute-la. Maintenant, va dans le jardin, vite. Oh, bien sûr. J'y vais tout de suite. Oh, mes pauvres pieds. Oh, mes pauvres pieds. C'est Atral, papa. Lui et moi, on se fréquentait. Je ne voulais pas que tu... Atral ? Oui, oui, je me souviens de lui. Depuis l'époque où vous étiez tous les deux hauts comme les fleurs du jardin de ta mère. Mais... Et il est parti à l'ouest. Ils n'ont jamais su pour nous deux. Il ne leur a pas dit. Même quand il... Oh, Elida. Pendant que je rédigeais tous ces édits, je pensais... Je pensais que mon travail te protégeait de cette guerre. Ce n'était que des parchemins. Quand je pense que j'aurais pu te perdre. Je suis désolée, papa. J'aurais voulu savoir, pendant tout ce temps, ce que tu pouvais traverser. Mais on va... Je vais changer. Merci de me donner une seconde chance. Le sang et les sacrifices ont engendré ce crépuscule. Notre roi Soleil doit laver les péchés de son père. Ce tonneau a été déplacé récemment. Et voilà, des traces. Des fruits pourris. Ça plaît aux lapins, apparemment. Tiens donc, le voleur a laissé une piste de fruits pour moi. Si j'arrive à les voir dans l'herbe.
c'est la fin de la piste. Dégagez, les sangliers, que je puisse jeter un coup d'œil. Cette fois, ce sont des empreintes de pas. Le voleur a dû grimper. Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! Voilà notre voleur. Et il a des ennuis.
Je devrais regarder ce que voit mon focus. Je garde ça pour la route. Merci, sauvage. Tu m'as sauvé du jugement du soleil. Tu peux m'expliquer? J'ai quitté la misère de Brunante il y a quelque temps, sachant que jamais je ne pourrais revenir à Méridian. Alors, j'ai commencé à voler de la nourriture à une marchande, au Grand Bazar, pour survivre. Mais le soleil m'a puni en m'envoyant cette étincelle. Tu penses qu'elle t'a attaqué à cause de tes méfaits? Mais forcément! Je pourrais présenter mes excuses à cette femme. Le soleil me pardonnerait, et il ne m'enverrait plus d'étincelles. Alors, j'ai abattu les étincelles, mais oui, je pense que tu ferais bien d'aller t'excuser. Cette marchande est très gentille. Elle te pardonnera. Le soleil a parlé! Merci encore, sauvage. Que le soleil éclaire ton chemin! Bien. Les gens ne me traitent plus de paria, maintenant j'ai droit à sauvage.